Wow, bonjour frère et soeur, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Depuis un moment, il y a un son qui tentait de vous faire bouger, même les enfants. Et cette danse-là, voilà, c'est une danse. Cette danse s'appelle Aoko. Tout le monde a dit qu'Aoko signifie masturbation. Et c'est Star elle-même qui a créé ça, dit que non, ce n'est pas le cas. Ça signifie autre chose. Mais ici, les choses sont claires dans l'esprit de certaines personnes, en fait, de tout le monde. Aoko signifie masturbation. Voici que, face à cette affaire, une autre star de la musique a décidé de se prononcer et de nous dire quand même ce qu'elle pense, ce qu'elle en pense. Est-ce que vous êtes chaud pour l'écouter? Est-ce que vous êtes même prêt? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Il va nous donner son point de vue et vous aussi, vous allez nous donner votre point de vue juste là. Dans la partie commentaire, ils sont maintenant prêts parce que ça va être chaud. C'est parti, écoutons. Il y a un morceau d'un artiste qui est sur la toile, qui fait jaser, qui fait parler beaucoup de personnes. J'ai voulu donner mon point de vue. Ce n'est pas un clash, ça paraît, c'est mon petit, un de bon rapport. Voilà, il n'y a pas. Voilà, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est de sa chanson qu'il s'agit. Aoko. Frère. Ah, ça fait du bruit, les gens sont en train de. Non, il est en train de pervertir nos enfants, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Moi-même, je vous demande. Moi-même, je vous demande. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Vous aimez ça? C'est des choses. Vous savez, les artistes, ils ne vont pas chanter des choses que vous n'aimez pas. Non, non, non. Les artistes, ils font ce que vous leur demandez. Aujourd'hui, à 90%, j'ai envie de dire 95%. Oui, pour rentrer dans le vif du sujet, à 95% la jeunesse, à 95% les femmes, les mélomanes sont portées vers la perversité, vers tout ce qui est dépravation de mœurs. Les gens ne sont pas choqués. Tu vois, aujourd'hui, la normale est devenue normale. Parler du sexe, démystifier la femme, chosifier la femme, aujourd'hui ça ne choque pas. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous entendez ça? Ouh! Ça n'a rien à voir avec sa femme, ça n'a rien à voir avec lui. C'est ce qu'on nous sert, c'est ce que. Je dirais même pas que c'est ce qu'on nous sert, c'est ce que les gens, j'ai envie de dire, puisque c'est ce que les gens adultent, c'est ce à quoi. Voilà! Donc, il était de nous dire que c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les stars de la musique profane leur donnent. C'est ce que les gens. Voilà! Les gens kiffent. J'ai envie de dire, c'est dommage, c'est triste, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Et avant lui, il y a des morceaux aussi qui font l'apologie du sexe, l'apologie des trucs, voilà, de ce genre de choses, de ce genre de perversité. Mais ça passe sur nos médias. Ça passe sur nos médias. C'est même imité par les enfants dans certains concours, tout ça. Est-ce que vous avez remarqué ça? Restez dans votre commentaire, on vous attend. Mais ça ne choque pas. Mais ça ne choque pas. Donc, ce qu'il a fait, il n'a fait que faire ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, je ne suis pas là pour le défendre. Je ne suis pas là aussi pour l'incriminer. Mais je suis là pour dire qu'il est important si on pense que. Voilà. Si on pense que la musique a aussi une valeur éducative, il est important qu'on parte à la base. Tu vois, n'accusons pas aujourd'hui ceux qui viennent de faire des. Voilà, qui font des buzz avec certains morceaux. Mais avant ça, il y a eu des chansons. J'ai eu plein de chansons. Des chansons, moi, j'étais assis à la télé, je me rappelle, il y a 10 ans d'arrière, 15 ans d'arrière, je ne sais même plus. Nous, on était assis à la télévision ici, les gens sont venus me dire, ah, il y a un artiste qui cartonne à l'intérieur, on veut le présenter dans une télévision de chez nous, hein, une émission populaire de chez nous. On veut le présenter, l'artiste a vraiment une cafoule. Mais qu'est-ce qui nous emmène? Nous emmène l'artiste qui chantait rien, quoi et tout. Il parlait de sexe. Frère, j'étais petit comme ça, je sais plus, j'avais quel âge, peut-être j'avais 17 ans, 18 ans, je sais même plus. Frère, on dit, ah, quoi et tout. Et puis c'est passé sur le chaîne, ça fait le belge. Tu vois? Bref, il y a beaucoup de chansons comme ça. Il y a beaucoup de chansons comme ça, il n'y a pas que ça. Mais il y a les chansons où on te dit, on n'a qu'à boire, 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 boire. Mais tout ça, c'est la dépravation. Effectivement, on parle de la boisson aussi, que les gens à boire n'importe comment. Waouh, ça m'étonne, mais c'est vrai.
Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, les gens ne respectent plus rien. Aujourd'hui, les gens n'ont plus. Nos valeurs morales sont en chute libre. C'est ça qui est la vérité. C'est pas une question de. Voilà. Même ceux qui tiennent les bars, il est important. En Europe, ici, les mineurs entendent votre frère. Mais si un enfant des choses, un enfant, il ne sait pas lequel a sous prétexte que c'est un artiste, il entre la boîte, voilà. Mais tu veux que. C'est pourquoi il vous a répondu, il dit c'est pas à lui d'éduquer vos enfants. Quand il ne sait pas que. Si il ne sait pas qu'il y a des choses, même si c'est un artiste, mais il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de t'encadrer, il a besoin de sommeil, il a besoin de vivre son âge. Faut pas qu'il brûle les étapes. Aujourd'hui, tu vois un petit artiste comme ça qui fait le buzz aussi, qu'on appelle Ramba Junior, qui est en train de simuler la masturbation. Frère, c'est ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils imitent. C'est ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils imitent. Les choses sont claires. Tu peux pas voir quelque chose qui est bleu, et puis tu as dit que c'est du violet. C'est impossible. Tu peux pas voir un truc qui est noir et tu as dit que c'est du blanc. Comment tu fais? Les enfants voient des choses et ils imitent carrément ça. Écoutez ça encore. Il y a des choses, même si c'est un artiste, mais il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de t'encadrer, il a besoin de sommeil, il a besoin de vivre son âge. Faut pas qu'il brûle les étapes. Aujourd'hui, tu vois un petit artiste comme ça qui fait le buzz aussi, qu'on appelle Ramba Junior, qui est en train de simuler la masturbation. Frère, c'est ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils imitent. C'est ce que les enfants voient là, c'est ce qu'ils imitent. C'est pas Safaré qui a envoyé ça, c'est pas lui qui a envoyé ça. Il y a longtemps, dans nos télés, dans nos radios, dans nos médias, les médias encensent ça. C'est ça qui est la vérité. Si tu ne veux pas écouter Safaré là, va écouter Bilibili. Moi, il y a fait un dernier cri, il y a fait 4 titres. Un dernier cri. Il y a fait des morceaux comme Tintin, où je parle des hôpitaux, où je parle des problèmes que nous vivons. Moi-même, quand je suis sorti du studio, j'ai dit voici l'une des meilleures chansons de ma carrière. Moi-même, je suis content de mon propre titre. Frère, mais tu arrives, les gens te disent que ça ne peut pas passer à la télévision sous prétexte que c'est politique. Wow. Non, c'est politique, non, c'est gagné, non, c'est gagné, je pense que c'est un peu trop dit, t'appelles le monstre, ou bien le son est comme ça. Oh, frère, pour enregistrer ce son, tu sais combien de millions j'ai mis pour faire la vidéo, là, pour regarder la qualité de la vidéo, tchin, tu tapes mouillé, c'est mouillé, tu tapes blague, il faut aller voir la qualité de la vidéo. Tu sais combien de millions j'ai mis dedans. Mais les gens vont te dire, juste parce que. Tu fais de la musique où les gens ne se déshabillent pas. C'est ça qui est la vérité. Vous avez entendu ça? Juste parce que tu fais pas de la musique où les gens se déshabillent, toi on te met juste à l'écart quoi. Parce qu'on se dit, ah tu sais ce que tu fais c'est bien, tu conscientises les gens, mais Aouli, nous sommes venus ici pour danser. Donc il faut déshabiller les gens, n'importe comment, dans les clips, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Cette personne qui parle est dans le milieu. Elle sait de quoi elle est en train de nous parler. Et franchement, elle pense même que c'est même vrai quoi. Tu fais de la musique où les gens ne se mettent pas de nuit. Ou tu fais de la musique où tu veux éveiller les consciences. Parce que vous parlez de il fait politique. Mais vous tous là, dans vos Facebook là, vous avez la photo de Gbagbo ou la photo d'Alassane. Vous avez la photo de ceux qui font politique. Le vrai problème, parce que nous ne parlons pas de fesses dans nos chansons. Nous, on refuse de parler des fesses, on refuse de parler de monter des démons, nos soeurs se déshabiller dans nos clips. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes un clip vidéo, allez sur plein de chaînes, il y en a 10 personnes, allez sur plein de chaînes. Aujourd'hui, pour regarder un film porno, tu n'avais pas besoin d'aller sur des sites. Hein. Mon ami, tu allumes ta télévision pour regarder les clips. Vous avez entendu ça? Frère, il n'y a que ça. Waouh! Et c'est vrai! Il y a un gars qui chante collé, la petite là. Lui, il dit qu'il avait chanté auparavant des chansons pour conscientiser les gens, pour amener les gens à réfléchir. Mais ça n'a pas donné. Mais le juge s'est levé pour entrer en studio pour faire collé la petite. Automatiquement, ce son-là a eu du succès. Est-ce que vous voyez ce de quoi il s'agit? Même, on a appris que c'était censuré même dans son pays. Hein. Mais ce n'est pas là, ça ne va pas empêcher d'aller très loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'aimer des choses que normalement, on ne devait pas apprécier. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Ne vous affectionnez pas aux œufs infoutus de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Toi, tu vois quelqu'un qui s'est déshabillé dans sa tête, ça te plaît. Tu vois la fille, elle se bouge, elle monte ses fesses, elle monte ses seins. Toi, tu dis que c'est chic. Si toi, ça te plaît et c'est ce que tu aimes. Tu es en train de pécher comme ça.
il ne t'attend pas à aller au paradis. Il ne t'attend pas à aller au paradis. Tu vois, l'histoire qui a fait sortir un clip. Ils seront en train de parler. Ah! Il a bien fait de. Yay! Dans le clip, elle a mis une femme qui est sexy comme ça, la nuit, elle a laissé. Et si pour me donner son numéro, elle allait la toucher seulement un peu. Si c'est un jour, seulement un jour. Tu es en train de pécher, tu es en train de pécher. Tu ne diras pas qu'on t'a pas dit. Ce que tu aimes aujourd'hui, là, va déterminer là où tu vas aller demain. Juste là après ta mort. Fais très attention. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un grand piège. Aujourd'hui, il n'y a que ça que les gens proposent à la société. Il n'y a que les rôles des femmes, il n'y a que la sexualité, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais moi je pense que ça perdure parce que le public accepte ça. Ça perdure parce que les médias consomment ça. Ça perdure parce que le gouvernement atteste ça. Parce que si c'est bien de mettre les gens en prison, parce que c'est les cyberactivistes, ils ont insulté le gouvernement, ils ont insulté le président, ils ont fait ceci, ils ont dit oui, ça c'est pas normal de parler mal à une autorité. Nous même qui sommes chrétiens, on dit toute autorité est établie par Dieu, il faut parler avec respect à l'autorité. Mais il est important aussi. Voilà, il y a des gens aussi qui tombent nos mœurs. Il y a des gens aussi qui pervertissent la jeunesse. Voilà. Qu'il faut mettre aussi, qu'il faut stopper. Il faut une loi pour ça. Voilà. J'avais vu la vidéo de ce jeune-là. Et j'oublie son nom, j'oublie à chaque fois son nom. Il a fait une vidéo où il parlait de. Même des enfants, des mamans qui prennent des enfants à l'âge de 1 an, de 2 ans, et qui les mettent dans les rues en train de mendier. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas d'autorité pour dire, yo, il y a une loi maintenant là, un enfant c'est obligatoire. À 2 ans, à 3, à 1 an, on voit un enfant dans les rues, en train de mendier. L'enfant là, on va te l'arracher. Mais c'est tout ça. Nous sommes dans un désordre qui est devenu normal. C'est pourquoi on se permet des choses. Sinon, le couple des carrières, ils n'ont pas de vocation, c'est clair dans leur truc, hein, ils n'ont pas vocation de vouloir éveiller les consciences. Le couple des carrières, c'est pour danser, c'est pour changer. Voilà, eux tous, ils savent ça. Voilà. Mais maintenant, il y a quelques-uns parmi, dans le couple des carrières, qui essayent, bien évidemment, de sortir de l'eau, de faire quelque chose d'original, de donner des messages, des choses, voilà, comme Baby Philippe, comme Kérosène et tous les autres, tu vois, qui essayent des choses, même Didier, même à la fac, personnel, avant même qu'il ne parte aussi, il a fait pas mal de chansons sur après moi aussi, j'ai découvert, où vraiment, le gars, il motivait les gens à vraiment travailler, tout ça. Voilà, les gens essayent de sortir de l'eau, mais si on veut parler en général, le couple décalé. Vous pouvez décaler cette ambiance. Maintenant, la question que moi je vous pose, est-ce que le divertissement est le pervertissement? C'est ça aussi le problème. Tu vois, il y a cet amalgame là, tu vois, qui on fait souvent. Est-ce que le divertissement, c'est le pervertissement? Moi, je pense que moi, j'accuse tout le monde. N'accusons pas l'artiste, j'accuse tout le monde. J'accuse les parents qui laissent leurs enfants. Allez, moi. Ma fille va comment ça? Moi, il y a des chansons qu'elles sont passées. Ma fille est en train d'écouter, lui, il ne goûte pas ça. Vous avez entendu ça? Revenons quoi en arrière? J'accuse tout le monde. J'accuse les parents qui laissent leurs enfants. Allez, moi, ma fille va comment ça? Moi, il y a des chansons qu'elles sont passées. Ma fille est en train d'écouter, lui, il ne goûte pas ça. Vous voyez, lui-même, c'est une star de la musique. Et vous voyez ce que lui-même fait? Il était dit à ses enfants d'écouter cette musique. Qui trouve bizarre. Ah! Si lui le fait, et nous qui sommes parents, les parents, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes même en train de danser du twerk, les parents qui dansent du twerk avec leurs enfants. Du mapuka, aïe, 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 aïe. Tu regardes la fille, tu regardes la maman, tu sais plus où est papa, où est... Même le papa, lui-même, il est en train d'apprécier la chose. Vous êtes en paix. Le diable vous a eu depuis. Écoutez, j'accuse tout le monde. J'accuse les parents qui laissent leurs enfants. Allez, moi, ma fille va comment ça? Moi, il y a des chansons qu'elles sont passées. Ma fille est en train d'écouter. Lui, il ne coûte pas ça. Est-ce que ces chansons, on ne coûte pas ça dans ma maison? Est-ce qu'il y a des vêtements qu'on ne porte pas dans ma maison? Est-ce qu'il y a des danses qu'on ne fait pas? Tu peux danser, tu peux vivre ton âge. C'est le jeu de ton âge. Faire tes petites tuiles, les dames, les trucs, machin. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est rigolo. C'est pour votre âge, c'est de votre âge. Mais il y a des danses que tu ne dois pas faire. C'est ce que papa a dit. Voilà. Il y a des lieux où tu peux pas aller. Voilà. Nous aussi, on a nos enfants là-bas. Tu penses qu'à 5 à 6 ans, t'as la musique, voilà, même s'ils chantent. Voilà, il peut aller faire des choses très tôt. Il y a déjà l'onction de la musique en lui. Ok, il y a des spectacles qui se font la journée.
avec un majeur à côté, mais la nuit, dans les boîtes de nuit, mais j'accuse même les ténèbres, ceux qui tiennent les boîtes de nuit aussi. Aujourd'hui, la dépravation sexuelle atteint certains niveaux en Côte d'Ivoire, frère. Laisse tomber. Aujourd'hui, wow. Le sexe, ça, c'est rien. Regarde le phénomène des buisies. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, la plupart des gens qui gèrent les espaces sont des proxénètes. Oui, les gens ne viennent pas seulement pour boire. Les gens viennent aussi pour se ravitailler. Oui, pour se ravitailler en meufs, en petites, mon cher, des mineurs souvent, des filles de 16 ans, 15 ans, des filles de 17 ans. Mais des femmes même qui travaillent, moi j'ai vu, des femmes même qui travaillent. Des femmes même qui travaillent et qui s'attendent à ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le sexe. On a mis dans la tête de nos jeunes soeurs qu'il n'y a que le sexe qu'il faut proposer. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ce désordre total que nous sommes. Moi, franchement, cette vidéo, c'est un cri de cœur pour vraiment interpeller la jeunesse. C'est pourquoi nous qui croyons que nous pouvons, à côté de ce modèle de jeunesse-là, il y a aussi un genre de jeunes que nous pouvons nous-mêmes fabriquer à travers nos chansons. Parce qu'un artiste, là, quand on dit un artiste, c'est un modèle. Un artiste, c'est un modèle. C'est pas un modèle seulement vestimentaire. Oui, j'ai vu telle personne, elle a fait telle coiffure, ici son sosie. C'est pas ça. Il y a des valeurs aussi. Il y a des valeurs. De l'artiste aussi qu'il faut épouser ou qu'il ne faut pas épouser. Ça dépend du cas. Donc, plus que jamais, moi, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on se réveille en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se réveille en Afrique, il faut qu'on se réveille dans nos jeunesses africaines parce que de plus en plus, la perversité, mais laisse tomber frère, laisse tomber. Wow. Nos télés sont pourris, nos radios sont pourris, les couloirs de nos quartiers sont pourris, les petites soeurs, tu vois les vidéos de quand tu vas dans ces dégâts, pour les voir des enfants, des filles, petites filles, rien du tout en train de parler de sexe. Des vidéos, même des vidéos des soi-disant personnes qui font des cyber, je sais pas comment on les appelle, qui font des vidéos, mon cher, voilà, des micro-trottoirs pour faire rigoler les gens qui posent des questions, des gens qui disent tout autour du sexe, tous les trucs, c'est que le sexe, il n'y a que ça, il n'y a que le sexe, il n'y a que l'alcool, il n'y a que la drogue, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Si vous voyez la blague, c'est bien réel. Les gens se baladent, ils font des micro-trottoirs et ils posent ces questions. Oser juste pour faire des vues, les gens se disent oh, vous savez, ce sont des questions osées qu'on pose ici et c'est ce qui marche, c'est ce qui fait des vues. Donc, nous on va se mettre à se poser ces questions. C'est là maintenant, ils vont se mettre à poser des questions aux gens au passant. Par exemple, on vous dit ah, dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'on appelle du haroko? Toi, normalement, tu sais pas que haroko signifie masturbation et. Les gens d'aujourd'hui savent que haroko signifie masturbation, malheureusement. Et ils sont là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je vais te dire, je vais tout dire aussi, je vais tout dire. La caméra est là et on les filme. Ils sont là. Je vais tout dire, je vais tout dire. Moi, je fais ça une fois par jour, deux fois par jour, avec du tomate, avec de l'aubergine, du poisson thon. Mais il y a du sel ou quoi? Et les gens apprécient ça. Et les gens apprécient ça. C'est tout de ouf, hein. Le monde dans lequel nous sommes est un monde ouf, quoi. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qui est en train d'être apprécié. On parle du sexe, on parle du sexe matin, midi, soir. Par-ci et par-là. Et ce sont les enfants les plus exposés à cette affaire. Frère. En Côte d'Ivoire, le vrai problème, c'est qu'on ne respecte plus rien. Le vrai problème, on ne respecte plus nos valeurs. On ne respecte plus Dieu, on ne respecte plus les vivants, c'est pourquoi on ne respecte même pas les morts. Oui. On ne respecte rien. On est dans un vrai désordre. Et j'ai envie de demander même combien de personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut compter dans mon pays, dans mon propre pays, aujourd'hui, qui connaissent encore l'hymne national, la nouvelle génération. Il y a l'homme qui ne savent même plus chanter leur propre hymne national. Nous sommes, il y a certaines valeurs aujourd'hui qu'on a perdues. Et ça fait que aujourd'hui on va dans tous les sens. Cette vidéo-là, je parle un peu de tout, vraiment. Parce qu'il y a du tout aujourd'hui que nous voyons. Vous devez partager cette vidéo au maximum, vous devez la partager. Il y a du tout que nous voyons. Il y a trop de choses. La jeunesse est devenue de plus en plus incivique. Oui, on ne respecte rien. On ne respecte rien. On ne respecte pas les grandes personnes.
on ne respecte pas la femme, on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas le pasteur, on ne respecte pas les imams, on ne respecte pas la religion, on ne respecte pas, on ne respecte rien, on ne respecte pas les autorités, on ne respecte pas le ministre, on ne respecte rien, les policiers ne respectent rien, même entre les policiers, les corps et eux-mêmes ils ne se respectent même pas, plus personne ne respecte personne. Ça part en couille, frère. Bien sûr. Plus personne, même entre les corabiens, tu vois, des corabiens qui quittent leur caserne, qui arrivent chez leurs confrères, là-bas aussi, qui vont foutre, sous prétexte qu'ils ont eu des raisons, selon eux. Voilà, de venir là, ils rentrent là-bas, ils font le désordre, c'est le gabus, mais quel exemple, quel exemple, quel exemple. Ça, c'est dû à quoi? Parce que plus personne ne respecte quelque chose. Plus personne. Plus personne. Moi, je pense, moi, je propose que vraiment, vraiment, le civisme, que nos dirigeants, franchement, mettent l'accent sur le civisme, mettent l'accent pour des campagnes de publicité, faut vraiment mettre l'accent, faut l'insérer dans nos écoles, le salut au drapeau. Il y a plein de valeurs, je sais pas moi, il y a plein de valeurs qu'il faut insérer, qu'il faut vraiment, pour veiller sur cette histoire de l'école est obligatoire. Il faut veiller vraiment. Il faut taper non seulement sur les enfants et sur les parents qui chose, et puis pour que ces parents, franchement, s'attellent à vraiment donner le meilleur dans l'éducation de leurs enfants. Parce que nous partons de dépravation en dépravation. Oui, cette vidéo est un peu longue parce que j'ai gros au cœur, tu vois. Le tout, c'est pas Safaré qui est le problème. Le problème, c'est nous-mêmes, chacun de nous. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a des chansons. Moi, je ne peux pas comprendre. Ah, elle a dit qu'on Billy. Après, c'est qu'on chante toutes ces valeurs pour vraiment éveiller les consciences, pour donner de l'espoir aux jeunes, pour apporter, pour sensibiliser ces jeunes à des bonnes valeurs. Les gens vont trouver que non, ça ne va pas passer ici, ça passe pas à la radio, non, machin, ils vont te mentir, non, bagage ici et joue ça, les gens vont venir casser malheur. C'est des menteurs, ils n'ont rien à dire. Ça ne parle pas de poclés. Donc, voilà, en griffe, ça ne parle pas de poclés, donc ils ne veulent pas jouer. Mais si tu parlais tout à l'heure des fesses, de ceci, de cela, moi je sais, ouh, t'as vu son dernier, c'est une tuerie, t'as vu le son, t'as vu la vidéo, t'as vu la voix qui était dedans, il n'y a que ça. Même souvent, même dans certaines radios, même, où on invite des artistes, vous voyez, les gens passent le temps à parler de sexe, de sexe, de sexe, de sexe, de sexe, de sexe. Ah! C'est réel! Parce que pour eux, c'est ce qui attire le regard des gens. Si c'est ce qui attire le regard des gens et que tu es dans ça, il faut savoir que tu es dans peine. Tu vas répondre de tes actes devant Dieu. Les humains ne vont pas te dire quelque chose parce que eux-mêmes ils apprécient ça. Mais ils vont te conduire directement là où tu dois aller. Dieu te voit. Il n'y a que ça. Tout le monde est coupable. Les médias encouragent ça. Le dirigeant encourage ça. Parce que s'il n'y a pas de sanction, le dirigeant encourage ça. Le public lui-même encourage ça. Sinon, frère, si tu ne veux pas écouter une chanson comme ça, va écouter Billy Billy. Ah! Tu me disais que j'ai fait ma promo. Oui, j'ai fait ma promo. Oui, j'ai fait ma promo. Pourquoi? Oui, j'ai pas fait ma promo. C'est ma chaîne YouTube. J'ai fait ma promo. Mais c'est la vérité qui est là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nos valeurs sont en train de descendre. Le pays est en train de dégringoler. Oui. Oui. On ne respecte plus rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, la musique que tu écoutes, frère, c'est de la pornographie musicale que les gens nous servent, frère. De la pornographie musicale. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Le public, tout le monde encourage. Non, n'accusez pas. Le jeune homme, il n'a rien fait. Il n'a fait que donner ce que vous avez demandé. C'est tout. Le gars, il a son baillement, il a son truc. Tiens, même deux semaines encore, il va sortir un nouveau son. Paf, ça va vous aller oublier. Laissez ça. Laissez ça. Ne vous acharnez pas sur lui. Nous-mêmes, là, même là, on n'a qu'à faire, mais il n'y a plus pas. Voilà, nous-mêmes, là, on n'a qu'à se parler entre nous-mêmes. Oui. Oui, on n'a qu'à se parler entre nous-mêmes. Voilà. Donc c'est parler entre nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes là même on est pour vraiment, vraiment éduquer nos propres enfants? Est-ce qu'on a cette volonté de vraiment créer un modèle de jeunes exemplaires? Voilà. Voilà. Aujourd'hui la télé, c'est ça, il n'y a que ça. Moi, je suis quand même dans aux autres quand on les imite. On imite des danses. Laisse tomber. Ça passe, frère. Moi je le dis, c'est écrit cœur. C'est écrit de cœur. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Je ne veux pas manquer de respect à quelqu'un. Peut-être que dans mes propos, il peut y avoir de l'excès. Je suis un homme, je peux me tromper. Voilà, je suis désolé. Mais je voulais dire vraiment ce que je pense. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il était de rigoler avec vous? Est-ce que vous pensez qu'il était de rigoler avec vous? Mes frères et sœurs, même aller même en tendance.
Elle est partout. Il y a le satanisme aujourd'hui de la musique, l'occultisme, toutes sortes de vilaines choses. Pour avoir du succès, les gens sont prêts à tout. Tout. Quand je dis tout, c'est tout dans toutes ces dimensions. Ça veut dire que toi, si désormais tu vois une femme nue et sexy dans un clip, avec des fesses qu'on expose et que toi tu aimes ça, tu es en train de pécher parce que tu sais la vérité aujourd'hui. Tu ne diras pas qu'on t'a pas prévenu. Abandonne ces choses, même abandonne la masturbation que tu aimes. Il y a des danses que tu ne dois pas danser. Il faut réfléchir. Les enfants qui n'ont pas la possibilité de réfléchir comme nous, que les parents les éduquent. Les gens veulent avoir le sexe, les gens veulent avoir du sexe. Sans savoir que quand il y a un enfant qui vient là, il faut l'éduquer, il faut lui donner de l'éducation. Si toi-même tu n'es pas compris, comment tu vas donner l'éducation à ton enfant? Et c'est toi encore, c'est toi qu'on encourage dans les clips en te disant va coucher avec les filles parce que tu es un du gars, tu es un vrai gars. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me diras pas qu'on ne t'a pas dit. Tu ne me diras pas qu'on ne t'a pas dit. Abonne-toi, partage cette vidéo et pour pas attendre la prochaine vidéo. Nous avons trois autres chaînes aussi. Tu cliques sur le bouton, tu vas sur la page d'accueil et tu t'abonnes sur notre chaîne. Tu actives la cloche là-bas et surtout tu nous dis ce que tu en penses. Peut-être que tu n'es pas trop d'accord. Tu peux nous dire aussi pourquoi. De toute la façon, tu ne me diras pas que le prochain clip qui va sortir, tu ne verras pas de fesses et de seins. Ça, je te le garantis.